défilé de cette présentation, en espérant que vous aurez passé un très très bon moment avec nous. On va commencer par la boutique Fripouy, les petits, que l'on accueille sous vos applaudissements. Fripouy, 40 rue Nationale, Vissembourg. Et 20% de remise aujourd'hui, à l'occasion de cette journée nationale du commerce de proximité. Toute l'équipe de la boutique Carbone.
Alors on va demander également à tous les responsables des différentes enseignes de venir nous retrouver sur cette scène. Petit Carbone, Emile, Petit Kinyou, Agathe, Fripouy, Saragan, Allo de Rose, Soer Fleuriste, Rustique Flore, Chaussure Georges, La Beauté avec l'Institut Brigitte. On en profite pour faire un petit coucou à Marco, l'Institut de Dominique, l'Institut Frimousse, Vita Beauté, Évasion d'essence, venez nous retrouver sur cette scène pour la coiffure Joseph Stoll, coiffure Simone, Camille Alban, 9 boulevard coiffure à Luxembourg et coiffure Théâtre. J'espère que sont tous là. Un grand merci à toute l'équipe qui a fait un boulot remarquable. Et on va faire un tonnerre d'applaudissements également à l'équipe technique, à Quentin et toute l'équipe qui a vraiment fait un boulot remarquable. Bravo! Et pour vous qui venez de nous retrouver en cours cet après-midi, nouvelle présentation de ce défilé à 15h. J'espère que vous serez des nôtres. N'hésitez pas à en parler également autour de vous. Si nous sommes présents aujourd'hui, c'est à l'occasion de la Journée nationale du commerce de proximité. Quentin, merci de percer un tout petit peu la musique, voilà. Je le disais donc, si nous sommes présents aujourd'hui sur cette scène, c'est à l'occasion de la Journée nationale du commerce de proximité, car si ces commerces de proximité sont voués à un bel avenir, c'est grâce à vous qui leur faites confiance. Car bien souvent, on est toujours en train de parler de commerces qui ferment à droite et à gauche, mais si vous, chers amis de Luxembourg et environ, continuez de faire confiance à vos commerces de proximité, eh bien ces commerces-là continueront de pérenniser, de se développer et de vous accueillir comme ils le font en ce moment. Je vous rappelle également que Luxembourg a obtenu son troisième sourire, donc c'est un beau...